Chers amis, le Seigneur m'a-même, nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment de réflexion. Nous le remercions pour sa grâce et sa miséricorde envers chacun d'entre nous. Merci à vous d'être là et que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Notre leçon d'aujourd'hui a pour titre L'Éternel règne. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci de ton amour, ta paix, ta grâce, ta miséricorde, ta tendresse envers nous. Merci de ton soutien, merci de ta force, merci de ton courage, merci de ta beauté, merci de ta parole que nous avons entre nos mains, merci de ton Esprit Saint qui est présent pour nous accompagner à ce moment de réflexion. Que ta paix repose sur nous en Jésus. Amen. Le thème de l'Éternel en tant que créateur est inséparablement lié au thème de l'Éternel en tant que souverain et maître de l'univers. La déclaration « L'Éternel règne » est pour clamé solennellement dans le psaume 93, verset 1er. Nous lisons le psaume 96, maintenant verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme et ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Le psaume 97, verset 1. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Le psaume 99, verset 1. L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. En dehors de ces quelques textes, chers amis, il faut savoir que ces échos se font entendre dans tout le livre des psaumes. Le psaume 93, verset 1, que nous avons cité, que nous allons lire maintenant. L'Éternel est revêtu d'honneur et de majesté et de force. Aussi le monde est ferme et ne chancelle pas. Le psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. La Bible dit qu'il est entouré de nuages et d'obscurité. Psaume 97, verset 2. Mais il s'enveloppe aussi de lumière comme d'un manteau. Lisons Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Ces métaphores exaltent la puissance et la splendeur du roi et sont soigneusement choisis pour exprimer la grandeur unique de Dieu qui dépasse l'entendement humain. Le psaume 97, verset 1er jusqu'au verset 9 déclare ceci. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Et verset 9. Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé et au-dessus de tous les dieux. Amen. Deux questions. Qu'est-ce qui caractérise le règne de l'Éternel? Et deuxièmement, quel est le domaine de son règne? Que l'Esprit du Seigneur t'assiste dans ta réflexion face à ces deux questions. Mes amis, la domination de l'Éternel est démontrée dans ses œuvres de création. Psaume 96, verset 5. De salut, le psaume 98, verset 2. Et de jugement, psaume 96, verset 10. L'Éternel établit son règne sur le monde entier. Le psaume 47, 6 à 9. Le royaume de Dieu est un royaume éternel d'une puissance et d'une majesté inégalée. Le psaume 45, verset 6. Le psaume 93, verset 1 et verset 2. Le psaume 103, verset 19. Le règne de l'Éternel est fondé sur la miséricorde, la justice et la droiture. Et il apporte ordre et stabilité au monde créé. Psaume 98, verset 3. Psaume 99, verset 4. Le règne de Dieu unit les adorateurs célestes et terrestre dans sa louange. Le psaume 103, versets 20 à 22 et le psaume 148. De nombreux psaumes envisagent que toute l'humanité reconnaisse la souveraineté de Dieu. Le psaume 96, verset 10, 97, verset 1, 99, verset 1, le psaume 145, 11 à 13. Mais cela n'est pas le cas de tous les peuples, ni même des dirigeants terrestres,
du moins pour l'instant. Le règne de l'Éternel est constamment mis au défi par les méchants aujourd'hui, qui le renient, se moquent de lui et oppriment même son peuple. Lisons Psaume 14, verset 1, au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Vous pouvez lire aussi chez vous le psaume 74, 3 à 22. Lisons quelques versets. Verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Souviens-toi, verset 18, que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Et verset 22. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Mes amis, bien qu'interpellés par la prospérité de certains méchants et troublés par la tolérance de Dieu, le psalmiste fait confiance à sa souveraineté et continue à s'épanouir dans l'assurance de ses justes jugements. Le psaume 68, verset 21 déclare « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. » Le psaume 73, 17 à 20 « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Donc par la foi, le peuple de Dieu se réjouit de la réception du royaume de Dieu grâce au ministère rédempteur de Christ et attend l'établissement final du royaume lors de sa seconde venue. Vous pouvez lire chez vous Matthieu 12, 26 à 28 et 1 Corinthiens 15, 20 à 28. Maintenant une question. Le psaume 47, verset 10 dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Pourquoi notre amour pour Dieu devrait-il nous amener à haïr le mal ?» Et quel est le lien entre ces deux concepts? À ces deux questions, je demande au Seigneur de vous accompagner par son Esprit Saint. Maintenant l'application du jour. La leçon nous dit que le Seigneur règne sur tout l'univers et que son règne se manifeste sur toutes ses œuvres qu'il a créées. Aujourd'hui, je t'invite à te poser la question. Est-ce que le Seigneur règne sur ton cœur? C'est important que tu puisses répondre à cette question. Que l'Esprit du Seigneur t'accompagne. En conclusion, l'Éternel établit son règne sur le monde entier. Le royaume de Dieu est un royaume éternel, d'une puissance et d'une majesté inégalées. Le règne de l'Éternel est fondé sur la miséricorde, la justice et la droiture, et il apporte ordre et stabilité au monde créé. Bien qu'interpellé par la prospérité de certains méchants et troublé par la tolérance de Dieu, le psalmiste fait confiance, mes amis, à la souveraineté de Dieu. Et il continue à s'épanouir dans l'assurance que ses jugements sont justes et véritables. Nous devons donc agir de même aujourd'hui. Amen. Nous prions. Père éternel, nous te disons merci, parce que tu es un juste juge et tu règnes d'éternité en éternité. Parfois, les événements de la vie nous poussent à remettre en question ou à vouloir remettre en question la manière dont tu règnes, que tu diriges, que tu juges. Mais nous voulons avoir suffisamment d'intelligence et de sagesse pour nous dire que tu sais ce que tu fais. Tu es Dieu. Tout ce que tu fais est bien, même si nous ne comprenons pas toujours. Alors que tu puisses nous aider à nous poser la question essentielle. Alors que tu es un Dieu qui règne sur toutes choses, la question est de savoir ce que tu règnes sur notre cœur. Est-ce que nous t'avons donné le règne dans notre vie? Que tu nous aides à répondre à cette question combien importante. Et que nous puissions y mettre de l'ordre si ce n'est pas le cas. Merci de nous bénir, de nous soutenir, de nous faire du bien. Et que ta paix et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.